Bonsoir. T'as eu comme Dave la jambe. Oh, t'as vu ça, dit. Bonsoir, Yann. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Yann. Bonsoir à tous. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Cécile. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir à tous. Ça va, on a compris. Ah là là. Bon, vous avez les actualités belges cette fois-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, l'actualité belge, on en a. C'est la grève générale et nationale sur l'ensemble. Non, c'est français. Excusez-nous. Alors, les boulangeries et pâtisseries en grève en ce mois de septembre, mon petit Jérôme. C'est en France aussi, les boulangeries. Attendez. J'en ai une. Les transports nationaux en grève dès vendredi sur l'ensemble. Non, c'est en France aussi, ça. Attendez, parce que grève des footballeurs qui estiment leur salaire trop bas. Non, ça, c'est France aussi. Ça, grève des passants des arbres, ça va pas. Grève des actrices porno, les acteurs obligés de s'enfiler entre eux. Non. Mais qu'est-ce que... C'est pas possible. Mais l'actu belge, elle est là, vous l'avez balancée. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Récupérez-la, attendez, on est déjà... On va appeler quelqu'un. Je vous dis qu'on va appeler quelqu'un. J'essaie de vous tenir. Poussez pas. C'est bon. Poussez pas, ça fait une crise d'air. Vous l'avez ou pas? On est conclu. Oh là là. Oh là là, mon Dieu, attendez. Quoi? Mais vous avez un trou énorme, là. Tout le monde, mon vieux. Hein? Tout le monde, mon vieux. Mais non, mais je parle de votre pantalon. Oh, mais non, monsieur. Ah, pardon. Je suis désolée. Oui. Ah, c'est bon, vous l'avez, ça y est. Ça va, vous vous en sortez. On s'en sort, oui. L'actu en Belgique, le scandale de la gare Bruxelles-Midi. Ça, c'est belge. Ça, c'est très bien. Parce que de nombreuses indignations des voyageurs qui ont fait face aux incivilités lors de leur passage bruxellois. Oui, trafic de drogue, bande organisée, vol, hygiène lamentable. Alors, le Premier ministre dévoile son plan d'action. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, là, avec vos têtes. Vous dites les Français viennent en Belgique pour critiquer la Belgique. Mais bien sûr, évidemment. Eh ben non, c'est faux. Figurez-vous qu'on a fait quelque chose pour vous. On s'est rendu à la gare de Bruxelles midi et pour tous les Français qui nous regardent, on s'est permis un petit guide, des choses agréables à faire au sein de la gare. Tourisme. Chers Français, lors de votre séjour à la sublime gare de Bruxelles midi, dès votre sortie du Thalys, n'hésitez pas à vous rendre sous les escaliers à droite pour aller déjeuner chez Bébert, où le chef vous accueillera personnellement et vous dressera une table personnelle au sein de son établissement. Laissez-vous tenter par un délicieux Château Lamoule 1914, mis en bouteille à la gare, que Bébert débouchera pour vous. Parfait pour accompagner les plats de la gare, tels que le rat en barquette ou le cochon d'égout sauvage. Bébert, c'est aussi un accueil dont les voyageurs et surtout les voyageuses se souviennent. Un bobo au ventre, une migraine, rendez-vous au moins un à la pharmacie de Ginette Lagringe. Passez la porte de l'établissement et Ginette sera là pour vous proposer de nombreux médicaments tels que Doliprane, antidouleur et remontant naturel. Et du dentifrice au fluor. Une aubaine pour remettre du peps à une longue journée de voyage. Merci la Belgique. Et si vous aimez comme moi faire un petit peu de shopping, n'hésitez pas à visiter la boutique de Luna et Gertrude qui vous propose un large choix de lingerie affriolante en prêt-à-porter pour votre prochain rendez-vous à un prix très abordable. Stop, Jérôme. Mais c'est pas abordable du tout. C'est très abordable. C'est incroyable parce que... C'est une belle image. C'est une belle gare que vous avez là. En plus, ce qui est complète, c'est, on voit bien que c'est vous sur la vidéo. Faux, pas du tout. C'est vous. Calomnie. Vous vous foutez de notre gueule. Mais dis donc, vous êtes gêné avec Jean Dujardin, vous. Sortez. N'aimez pas les Français. Bravo. C'est scandaleux. Bravo.